Allez, c'est parti. Les trois quarts des Français ont les sourcils foncés. Bon, va pas les gonfler, non, tu peux les enfler. Essaye d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit. Envoie 49. Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont présenté. N'ont pas l'air présentés de chemin, ne veulent pas prendre le droit. Envoie 49. Si tu comportes une loi qui est bien, que les gens ne voient pas, c'est rien. Ne leur veux pas, c'est bien qu'ils ont peu de foi. À défaut que soit quelqu'un et qu'un t'as de te croit. Envoie 49. S'ils veulent pas t'écouter, si t'es dégoûté, si t'es dérouté par le fait que t'es douté, qu'ils pourraient dégoûter ta main de là. Envoie le 49-3. Et s'il faut les cerner, les derniers prêts couverts, mais s'ils veulent pas fermer, faire la guerre et que ton cerne, c'est là, tu le vois, qu'il faut que tu l'envoies le 49-3. Mais dis-leur, François. 49-3, brutalité. Ouais. Brutalité. Brutalité. Et 49-3. Ok, à moi, si mon peuple ne veut pas se laisser soumettre, s'il se peut qu'il ne veuille pas que je lui admette, s'il conteste, si on peste, si on fresse contre toi, envoie le 49-3. Si tu veux le réduire en esclavage, pendant pour toi c'est le gavage, si t'as pas le sens du partage, si tu veux un carnage comme pour les clubs dans 9-3, envoie le 49-3. Si la démocratie s'écause toujours, des lois qu'on impose toujours et l'État qui s'oppose toujours à des tas de gens qui sentent qu'on le droit. Envoie 49-3. Si ça passe plus, que les gens ont le plein cul, que malgré des masses, plus des casses, tu n'as rien pu faire pour les dissuader de faire entendre leur voix. Envoie 49-3. Si t'amènes une loi comme celle de Myriam, qui va le mener plus loin, qui va le l'islam, s'il va y contrevoir, tire taille dans le Dakar. 49-3. Mais dis-leur, Ok, s'il faut entraver les manifs, y'a l'état d'urgence. Les interdictions préventives, la dictature française se porte mieux qu'on ne croit. Ça va en être 49-3. Si les gens se lèvent en ayant l'élan des grands soirs, se mettent en tête vers soir et des plans. Si le peuple se bat pour pas servir le droit là, envoie 49-3. Pourquoi lui demander son avis, hein, puisque t'as le tien? T'as pas le même point de vue sur la vie, donc tu t'abstiens. Tu lui fais croire que tu tiens ton nombre de voix, puis t'envoies le 49-3. Et si les gens se méfient, te défient, se défendent, qu'on fait fi de tes demandes de crédit, si on ne croit pas dans cela, un conseil, envoie le 49-3. Car si tu l'envoies pas, tu verras casser la catabasie. Car ton tracteur attend apparemment à tabac. Non, rien n'y fait là-bas, dans ce cas l'idée à 49-3, mais dis-leur, François. 49-3 est une manière d'empêcher le débat parlementaire. Ouais. Parlementaire. Et comment? Par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. C'est ça. Si tu t'es tellement grillé bêtement que malgré ton entêtement, les gens savent que t'as classé tellement qu'ils descendent vers les flammes, quoi qu'ils entendent, bah, envoie le 49-3. Si tu t'appelles vache, ramasse ta gasse, quoi qu'elle fasse, ta basse, casse ta tracasse, l'art est là à sa place. Faut que la place qu'on reçoit dans la place, oui, dans notre foi, et que t'envoies le 49-3. Si en un an tu l'as fait 4 fois, c'est pas grave, mais fais gaffe, quoi. Il se pourrait qu'à terme ça se voit si c'était déjà le cas. Et pour tout retourner là, faut attendre que ça, que t'envoies le 49-3. Si tu perds patience, tu veux nous faire taire, balance. Le 49-3 avance des pions, mais c'est pas de chance. Nous, les amis de Coupane, t'es mon pas, nous en veut pas, on retournera la France contre toi. Et si tu t'aperçois qu'avec tout ça personne ne t'apprécie, qu'on voudrait ta chute, tu te traites à main avec les dallos. Vous, à 100 degrés l'eau, nous, je crois qu'on devrait les 49-3. Quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution. Tout à fait. Et elle nous a permis de faire adopter ce texte. Voilà. Qui aurait pu l'être avec une majorité qui était sans doute là. Certainement. Mais qu'il fallait plutôt ne pas vérifier pour ne pas perdre de temps. Exactement. C'est ça, va falloir vous synchroniser un peu entre vous, mais dans l'idée, on y est.